parlez-nous un petit peu de votre tablette, l'ExoPC. Dites-nous un petit peu quelles sont ses principales caractéristiques. Oui, alors, si on regarde la tablette, c'est une tablette de 14 mm. On a un port ici mini HDMI, deux ports USB, un SD card reader. Et aussi, on a une petite caméra de 1.3 mégapixels. La résolution, c'est du HD 1366 par 766, qui est aussi un disque SSD de 32 ou de 64 Gb. Et vous commencez donc aujourd'hui la vente au détail de votre tablette. Parlez-nous un petit peu peut-être de vos objectifs avec ce nouveau partenariat avec Jouet. Oui, alors en ce moment, on a signé avec Sierra, qui est notre premier partenaire au Canada, où que ExoPC licencie qu'est-ce qu'on appelle l'interface tactile. Et on travaille avec différents partenaires à travers le monde pour créer une masse critique pour les développeurs, pour être capable de générer des revenus intéressants pour eux. Et justement, en parlant des développeurs, combien il y a d'applications peut-être disponibles pour l'ExoPC? Est-ce que ce sont toutes des applications gratuites? En ce moment, les applications qui sont dans la store sont toutes des applications gratuites. On a plus de 750 applications et on devrait frapper les 1000 très prochainement. Est-ce que vous avez des objectifs de vente pour 2011 avec votre partenariat? Pour 2011, globalement, pour ExoPC, on veut frapper le 1 million de licences à travers nos partenariats différents à travers le monde. Est-ce que vous visez uniquement le marché consommateur ou si le marché des entreprises est aussi une avenue pour l'ExoPC? Le marché d'entreprise, oui, et aussi, surtout le marché éducationnel. Alors, on veut aussi créer notre magasin avec du contenu éducation qui va vraiment aussi, ça va être vraiment intéressant sur ce côté, ce point de vue-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça en ce moment. Et justement, est-ce que, à part ce partenariat-là que vous avez annoncé aujourd'hui, est-ce que vous avez des ententes peut-être gouvernementales ou est-ce que vous avez des ententes avec des entreprises qui pourraient occasionner peut-être une première percée de l'ExoPC en entreprise? Oui, absolument. Ça a déjà commencé. Sierra a déjà pénétré les Fortune 1000 et plusieurs entreprises qui sont en évaluation en ce moment. Et quand est-ce qu'on va avoir peut-être des conclusions? Quand est-ce que les périodes d'évaluation vont être terminées? Déjà, il y a des contrats qui sont en train de se faire signer en ce moment. OK. Donc, tout globalement, tout ensemble, vous visez le million de tablettes vendues cette année? Million de licences et pour Sierra, ça va être des milliers et des milliers de tablettes qui projettent vendre pour 2011. Merci beaucoup. Merci.